Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Xenoblade Chronicles 2. Nous avons terminé ce combat et nous allons voir ensemble la suite. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la meilleure pilote de l'Empire. Créons un mur de flammes autour d'eux. Brigid et Pyra, ensemble. Nous allons attaquer par la gauche, vous chargerez de la droite. Allez, entendu. On va essayer de s'aligner sur vous. Je passerai à la main de Mistra dans la foulée. Garde un œil sur la charge d'énergie de ton épée. D'accord. Allons-y. Ah, je suis étonné qu'il crie pas. Ces amateurs essaient de nous encercler. Même pas en rêve. Drawmark. Rugissement féral. Par le côté. Reste concentré, Mick. Poppy. Turbo, je sais pas quoi. Ne t'avance pas trop. Boum. Dans ta gueule. Maintenant. Étrier Azur, deuxième version. Radiance. Frappe roulée. Ah ah. On est encerclé. Dans ce cas, on monte. Salut. Quelle beauté. Tu vas surtout crever en fait. Impossible. Ils ont survécu à ça. Non, elle a calculé la puissance exacte requise. C'est une de l'Aegis. Remarquable. Ouais, pour que les lames crèvent, quoi. Pas mal. J'ai compris, tu faisais les cristaux des lames. Le méchant a aussi pris une raclée. Rip vos lames. Pourquoi? Bande de charognes. Ah ben, vous osez détruire ma précieuse arme. Je vais vous mettre en pièces. Ben, ça va être compliqué maintenant, ma cocotte. Je vais tous vous exterminer, vous réduire en lambeaux. Oula. Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Arrête. Tu ne peux pas faire ça ici, Patroka. Quelle puissance. Mais qui est-elle? Attendez, quelque chose ne va pas. Mon corps. Je n'arrive pas. Ça va, Patroka? Non, ça va pas. Hein. Quel pouvoir. Et si c'était... Ah. C'est vrai qu'il y a lui aussi. Enfin, elle. Il se fait niquer, lui. Dans ta gueule. C'est vrai qu'il y a ce personnage. Je l'avais complètement zappé, mais il est là. Peut-être bien la classe aussi. Hein. Mais c'est qui? Alors, c'est ça. La racaille d'Indol. Tu as dit Indol? Indol? Ils sont plus forts que nous, fichons le camp d'ici. Certainement pas. J'en ai pas encore fini avec eux. On a déjà eu ce qu'on voulait. Et s'il t'est arrivé quoi que ce soit, qu'est-ce que je dirais à Akos, hein? Lâche-moi. C'est exactement pour ça que tu m'énerves. Tu les laisses partir, c'est ça, tu me passeras un savon plus tard. Vous n'irez nulle part. Ah, ils ont un vaisseau caché, tout va bien. Mais qu'est-ce que... Ce vaisseau... Issu de Banna. Putain, il y a... Monoceros, il était là. Oh là là. Il y a Banna avec eux en plus, je suis sûr. Dame Morag. Bon, t'inquiète pas, ne vous en faites pas. Il en faut plus pour me battre. Ils se sont enfuis. Fan la norme. Déesse du Pétorium. Que nous vaut le plaisir? Tu as dit Fan? Mais oui, on la connaît. On la connaît du DLC, elle. En plus, il me semble. Elle est dans le DLC Torna, elle. Il me semble. Donc ils se connaissent forcément. Laura, ça sera bientôt terminé. Et elle, c'est...
Sinon, elle est dans le DLC, elle aussi, non? Ouais, c'est ça. C'est notre personnage principal dans le DLC. Chapitre 4, Aegis. Dans la préquelle, du coup, du jeu. C'est vrai. J'avais complètement zappé ça. Comme quoi, 5 ans après, on oublie des choses. Hein. Surtout moi, en fait. Je suis une vraie passoire. Hop. Chapitre 5, Maître et Esclave. Et voilà. Il y a 500 ans, le camp d'Adam. Il y a 500 ans, c'est exactement l'histoire que nous conte Thora de Golden Country. Incroyable, Laura. Mais quand je prévois ton attaque, tu pars mon coup instantanément. Sans Aes, je ne pourrais rien faire. Et vous? Vous ne semblez pas utiliser le pouvoir secret de Mithra. Tu voudrais qu'on s'en serve? Eh bien, si c'était le cas... Je devrais faire appel à ma lame originelle. C'est Jean, je crois. C'est la Morinel, Maître Adam. Votre dîner est prêt. Il est déjà si tard. En cette saison, les jours sont si longs qu'on en perd la notion du temps. L'entraînement est déjà terminé. Dommage, j'aurais voulu participer. Toi, participer, toute seule. Sa Majesté a bien des choses à faire. De plus, j'ai l'habitude d'agir seule. Un pilote et sa lame ne font qu'un. C'est comme cela qu'ils fonctionnent. Sans lui, tu ne peux pas être au maximum de ta puissance. Ce n'est pas aussi simple. Moi-même, je n'ai pas encore réussi à libérer toute ta puissance. Vraiment. J'ai pourtant l'impression de donner le meilleur de moi-même. En réalité, tu t'améliores sans cesse. Quoi qu'il en soit, la capacité d'Aes à inhiber les autres lames est indispensable. C'est idéal pour s'entraîner. Quelle chance nous avons. C'est plus difficile quand elle m'empêche d'utiliser ma préscience. Oh, vous en faites trop. Je suis juste heureuse de tout faire pour vous aider. Quand vous êtes l'une à côté de l'autre, vous avez vraiment l'air de jumelles. C'est rare qu'une lame ressemble autant à son pilote, non? On le dit souvent, mais est-ce réellement vrai? Peut-être. Quoi qu'il en soit, je suis heureuse de vous ressembler un tant soit peu, madame. Oui, on peut même s'échanger nos vêtements. C'est vrai. Donc là, on a un petit aperçu de ce que nous attend dans Golden Country, hein. Au fait, on aimerait bien t'affronter la prochaine fois, Jean. Qu'est-ce que tu en dis, Jean? Désolé, mais je n'aime pas tellement me battre. Et dire qu'on le surnomme l'homme le plus fort de Torna. Peut-être qu'il y a du vrai dans ce surnom. Après tout, il a... Enfin... Ils ont... Monseigneur, madame, nous avons découvert l'objectif de Malos. Il vise la capitale. Quoi? Vous êtes sûr? Oui, aucun doute possible. Retour dans le présent. Mais se dire qu'on a le DLC de Torna qui nous va nous repermettre de découvrir ces personnages aussi là, ça va être sympa. Enfin, c'est sympa. Mais elle ne se rappelle plus de tout ça, je pense. À moins qu'elle soit encore en vie, je ne sais pas. Enfin, qu'elle ne soit pas morte entre-temps. Parce que là, auquel cas, elle s'en souviendrait. Contrairement à Mithra, elle garde ses souvenirs, elle. Les autres ne gardent pas ses souvenirs. Donc si elle n'est pas morte, elle s'en souvient. Si elle est enfin, si son driver est mort... Enfin, sa pilote, en tout cas, c'était celle qui était dans le cristal, donc au final, elle n'est pas morte, vraiment. Qui êtes-vous? Je suis Fan Lanorn, émissaire du Praetorium d'Indol. Bonjour. Vous devez être Rex, n'est-ce pas? Le prêtre Amalthus demande audience. Je vous prie de me suivre.
C'est une blague, hein. Pourquoi le prêtreur voudrait me voir? Le prêteur, pardon. C'est le rôle du prétorium que de gérer chaque pilote et chaque lame d'Alrès. Et comme vous êtes le pilote de l'Aegis, le prétorium veut naturellement s'accaparer son pouvoir. Ne trompez-vous, madame. Le prêteur voudrait rencontrer le pilote du second Aegis. Il souhaite réellement s'entretenir avec Rex. C'est tout ce qu'il demande. Du second? Vous voulez dire que... Oui, le prêteur est le pilote de Malos. Ah, carrément. Par ailleurs, je crois savoir que vous avez une certaine dague en votre possession. Vous êtes au courant? Eh bien, oui. Cette dague appartient au prêteur, après tout. Alors, le prêteur est aussi le pilote de Cole. En effet. Ce n'est pas possible. Mais quel âge peut-il bien avoir? Ce n'est pas si extraordinaire, puisque le prêteur vient d'Indol. Les Indoliens vivent très longtemps. Ah bon? Eh bien, ça expliquerait ce que disait Cole sur le propriétaire de la dague. C'est pour ça qu'il sait comment aller à l'arbre monde. Eh bien, acceptez-vous de le rencontrer? Vous ne le regrettez pas. Une entrevue avec le prêteur Amalthus est un honneur. Attendez. Méfiance, Rex. C'est trop beau pour être vrai. Qu'en penses-tu, toi, Mitra? Tu t'es rendu compte, pas vrai, quand on a rencontré Cole? Oui. Mais je n'avais aucune idée que cet homme était en fait le prêteur. On y va? J'ai beaucoup de questions à lui poser. Je veux savoir ce qui s'est passé pendant mon sommeil. Mais bien sûr, j'aimerais connaître la raison de votre présence ici, Fan. Très bien, alors moi aussi, j'aimerais le rencontrer. En fait, nous n'avons sûrement pas le choix. Oui, en effet, vous n'avez pas trop le choix. Il me semble. Ace. Non, pas l'air de... Madame Mithra, que faites-vous ici à cette heure tardive? Vous ne trouvez pas le sommeil? Les nuits peuvent être glaciales en cette saison. Vous risquez de prendre froid. Je suis une lame. Je ne peux pas prendre froid. Bien sûr. Excusez-moi. Ace, tu ne te souviens vraiment de rien? Pardon? Ah, vous devez faire erreur. Je suis Fan Lanorn, l'âme du prêteur Amalthus. Ah oui. Amalthus. Elle a qu'un demi-cœur cristal aussi. Désolé, vous m'avez simplement rappelé quelqu'un. C'est vrai qu'il fait froid. J'aurais peut-être gagné ma chambre. Entendu. Bonne nuit, Dame Mithra. Bonne nuit, Fan. Mithra. Tu as vu la forme de son cristal cœur? Oui, il ne s'agit pas d'une résonance habituelle. Ce n'est pas non plus comme nous et Rex. Ça fait une question de plus sur le prêteur. J'aimerais permuter, si tu veux bien. Il faut que je réfléchisse. Bien sûr, pas de problème. Let's go. Ah, on n'a plus personne d'autre avec nous. Tutoriel, vous pouvez maintenant invoquer Mithra ou Pyra selon les besoins de Rex. Ah, voilà qui est bien. Pour accéder à l'une ou l'autre en dehors des combats, accédez au menu principal puis sélectionnez les personnages Pyra ou Mithra et appuyez sur Y. Pendant un combat, vous pouvez passer d'une forme à l'autre en appuyant sur le bouton correspondant à l'icône de changement de lame de Pyra et Mithra. Mais contrairement aux autres lames, après avoir permuté en combat, vous n'aurez pas à attendre avant de pouvoir changer entre Pyra et Mithra. Voilà qui est quand même bien plus sympathique. Disons-le. On va parler à Fan Lanon, Poppy Beta Tora. Tora s'inquiète un peu pour Papa Pon et Lila, mais Tora reste avec Rex Rex. Surtout que Rex Rex va rencontrer personne très spécial, Rex Rex est encore plus formidable que Tora. Fan a pouvoir spécial pour battre facilement guerrier de Torna. Poppy est très curieuse. Poppy se demande si pouvoirs spéciaux comme ça sont courants à Indol. Non, je crois que c'est propre à Fan, hein.
Bonjour Fan. Maître Rex, nous avons encore beaucoup de temps devant nous avant d'arriver à Indol. Je me rappelle plus si je peux la voir en lame, elle. Je suis pas sûr. Et vous devez être épuisé après toutes les épreuves que vous avez traversées à Mor Ardain. Que diriez-vous de dormir un peu? Un puissant me fera pas de mal. Dormez bien, Rex. Jean. Tu regardes quoi, là? Oula. Beaucoup de cœurs cristaux. Non, c'est ça, c'est des cristaux cœurs, ça? Ou c'est des quoi, ça? Qu'est-ce que non? Ça fonctionne? Oui. J'entends la voix des lames. Viens avec moi. Akos a trouvé quelque chose de très intéressant. J'arrive. Hey, regarde ça. Temperantia. Il paraît que l'Empire de Mor Ardain a mené des fouilles par ici. Alors je me suis dit que j'allais vérifier par moi-même. Ça a beaucoup changé. Mais cette forme. C'est un titan de guerre de Judicium. Judicium? Je connais ce nom. Sans doute. Il a été détruit. C'est une victime de la guerre des Aegis. Et c'est là que les manchets ont été créés. Ah bon? Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est une menace pour nous, alors il faut le détruire. À moins que nous décidions de l'utiliser. La vache. J'y crois pas. Ah, c'est l'autre con, là. Bonjour, Petroka. Tu m'as l'air de bonne humeur. Ne me dis pas que... Non, t'en fais pas pour ça. On a récupéré ce qu'on voulait. Bon, c'est déjà ça. Alors, que se passe-t-il? Bah, vous avez perdu... ils ont perdu leur lame, quoi. Et voilà toute l'histoire. Pour faire court, on n'a pas eu d'autre choix que de s'enfuir. Mais tu es sûr que c'est pas ton champ d'éther qui a été perturbé? Une lame du prétorium d'Indol. Une fille. Jin. C'est Haze, ça ne fait aucun doute. Jin. Mikal. Comment ça se passe avec les Marsan? Oh, tout va bien. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu, mais on va finir par y arriver. Bon, dis-moi, Akos, où est Aegis en ce moment? Près de l'archipel de Leftheria. Elle bouge. Elle est peut-être sur un bateau. Peut-être qu'elle se dirige vers Indol. Où tu... En Temperantia. Il faut gagner du temps. Et l'Aegis, alors? Si cet type arrive à lui retourner la tête, ça n'arrivera pas. Ce n'est pas comme ça que Mithra fonctionne. En fait, elle va nous être d'une grande aide. Après tout, seul un Aegis peut ouvrir la voie qui mène à l'arbre monde. Malos, il y a beaucoup à faire avec ce que la guilde nous a laissé. Vous autres, restez ici et aidez Mikael. J'irai à Temperatia seul. Très bien. D'accord. Fais attention. Jin est tellement mystérieux. Et on en apprendrait plus sur le personnage si on avait fait le Torna d'abord. Alors lui. Parce qu'on peut jouer à Torna The Golden Country avant de faire Xenoblade Chronicles 2. Mais j'ai préféré moi vous refaire l'aventure avec d'abord Xenoblade Chronicles 2 et ensuite Torna The Golden Country. J'ai préféré faire cela. Même si chronologiquement parlant, c'est Torna d'abord. Incroyable, on dirait une montagne de nuages. L'archipel de Leftheria. Indol se trouve actuellement au-delà de la crête de nuages. Il faudra un moment pour la contourner. Alors, nous passerons par la terre. Je suppose que même un vaisseau titan ne pourrait franchir un tel obstacle. S'il faut marcher, autant s'y mettre tout de suite. Ça fait tellement longtemps. Oui, ça doit faire 5 ans. Rex, tu es déjà venu ici? J'y ai grandi. Papy et moi venons du village de Funset, juste derrière cette crête. Eh bien, j'aurais jamais cru que tu étais de Leftheria. Alors, c'est d'ici que tu viens. Hmm.
Et ça fait 5 ans que t'es pas revenu chez toi. Village de Fonset. Il envoyait des sous tous les jours. Enfin, tous les. Ouais, dès qu'il allait à la guilde d'Argentum. Donc, est-ce que l'argent a bien été envoyé? On verra. Archipel de Lefferia. Bon, ça va plus vite si c'est moi qui indique la route à partir d'ici. On va juste franchir la crête, c'est bien ça? En effet, la délégation d'Indol nous attendra derrière. Compris. Rex Rex s'occupe de tout. Suffit de suivre. Ne prends pas la grosse tête, on ne fait que suivre les îles, tu sais. Hey, c'est quand même dangereux. Il y a beaucoup de puissants monstres dans les environs. D'accord, c'est vrai. Comment on va là-bas alors? Eh bien. Et Fonset? Eh bien quoi? Est-ce qu'on y passe? Eh bien, on pourrait. Ah oui, allons voir ton village. Oh, du calme. Quel exalté. Pas comme Pyrrha normal. Mais enfin. Vous ne voulez pas voir l'endroit où Rex a grandi? Je n'entrepine pas d'impatience, mais pourquoi pas? En fait, c'est une bonne idée, et c'est peut-être la route la plus sûre qu'on puisse emprunter. Ça vous va? Je vous laisse en décider, Rex. Alors d'accord, nous partirons dès que nous serons prêts. Et youpi! Hey, qu'est-ce que vous faites encore ici, au fait? Je me suis porté volontaire. En tant que représentante de l'Empire. Cela vous pose-t-il un problème? Non, pas du tout. Le Praetorium a simplement envoyé une invitation à l'Aegis. Nous n'avons aucune raison de dissimuler cette information aux autres nations. Tiens donc, impersonnalité et neutralité. On reconnaît bien là le Praetorium. En effet. Ça ne vous pose pas de problème, Nia? Pas du tout, c'est ma meilleure amie. Surtout amitié qu'elle m'a jeté en prison. Allons, madame. Morag et Brigid sont de notre côté. C'est beaucoup plus sûr de cette façon. Oui. Peut-être. Allez, Nia, fais pas la tête. Ce n'était qu'un malentendu. Elles nous ont aidés, rappelle-toi. Tu peux être crétin parfois. Bah, il faut être opti... Appelle ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça être crétin. Mais bon, d'accord. C'est du passé. Bon. On est amis, hein? Très bon. Très bien. Et nous sommes amis. Tu lui as pas foutu un banc quand même. Ça va. La formation du groupe a été... changer, on va rester comme ça. Port rigide. Pin. Oui, vous voyez bien. Hein. 1232, 1038. C'est le bon endroit qu'il faut aller. Alors exactement, c'est par là-bas. Sûrement. La pixe des courants. Attends, pourquoi je... Pourquoi j'ai... Je peux pas annuler le combat? Je peux pas annuler le combat, ok, bon, très bien. Eh ben, n'annulons pas le combat, alors. Il veut pas annuler. Eh bien, n'annulons pas, alors. Je m'attendais pas à ce que Pyrrha soit en bas, en fait. Pin, pin, pin. Que j'ai Rex d'emblée. Hop. Est-ce qu'ils ont les mêmes arts entre Pyrrha et Mithra? Ça, par exemple, je peux faire ça. Et là, je peux faire ça. Remnants Revo. Et là je change.
Je deviens Mithra, mais je peux pas avoir le... Je peux pas changer d'art, quoi. Entre Pyra et... Si. Est-ce que je suis obligé d'avoir les mêmes arts? Ah ah. Personnage. Par exemple... Sociogramme. Je fais assigner les lames, non? Si, attendez, ok. C'est où? Raccourci art. Épée de l'Aegis. Si je mets ça, par exemple, je permute. Est-ce que... Si je mets Mithra... Ouais, non, ça met le même truc, ok. Tourbillon double, ça fait plus de dégâts et ça m'empêche les 20%. Grappin, fiole x2, 30%. 140 dégâts. Est-ce que le tourbillon double, il est pas mieux quand même que ça? 410. Ça fait deux fois, bam bam. Et ça augmente les dégâts infligés de côté de 50%. Donc ça fait 500 000, ouais, ça fait pas mal de dégâts, ça, quand même. Celui-là est quand même pas mal. Hein. Hop, on va renforcer le grappin. Celui-là, on le garde, toujours. Ok. Pas les mêmes, on va faire ça. Ouais. Hop. On va faire le plus puissant. Et pareil pour Rock. La porte augmentée un petit peu. Dans 10% des PV actuels lorsque l'art est utilisé. Donc les gars, 100% quand les PV tombent à 30%. Pas d'effet spécial. On va faire ça, allez. Let's go. Dromac. À l'autre son, on n'a pas plus. On va augmenter les petites fioles. Vas-y. On demande ça. Tchernia. Là, tu peux pas... T'as que deux lames? Ah non, c'est toi. Hop. Je me disais bien. Et hop. Ah, renforcé. Il était temps. Ah, je peux renforcer ça quand même déjà. Tourbilla augmente les générosités. En 8% des PV en garde. C'est important que tu te rendes des PV. Vas-y, va pour ça aussi. Et Poppy Alpha. Poppy Beta, pardon. Esquive des attaques ennemies pendant les arts de pilote. Pas d'effet spécial. Augmente les dégâts infligés aux ennemis volants. Vous ciblant de 50%. Pas mal ça. On va mettre ça. Hop. Et Brigid. Oh, la masse de PVL. Enfin, masse de PA, pardon. Fournaise azur, on va tous les augmenter niveau 2. De l'autre côté, je sais pas si ça fait ça. Et si ils attaquent ennemis pendant les heures de pilote, ouais. On va y aller. Hop, tous niveau 3. On peut lui assigner une autre lame, elle, non? Lame. Éveil. Et c'est ça, Morag. Allez, va pour un légendaire, Morag. Avec un peu plus d'empathie. On va voir la vidéo parce que c'est Morag. Pour la première fois, ça peut être pas mal. Allez, sors-nous un truc bien, là. Ça sent la merde. Ça sent la lame de merde. Ouais, bah c'est une lame de merde, hein.
désolé. Je l'assure, vos arrières, faites pas confiance. Mais Giro, ouais, ben non, je te fais pas confiance, mon coucou. Papa, papa. J'ai des lames. Je peux gérer les lames. Est-ce que je peux assigner le Wulfric? Voilà. Pire un transfert. Sélectionner une pilote avec qui il y a transfert. Voilà. Je crois que pour le faire, il faut un truc de transfert, malheureusement. Mais. Disons que j'en ai eu. Hop, niveau 38. On va mettre lui là. Et pourquoi pas, on met lui, hein, tant que. Toujours ça. Ok, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans le prochain pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.